Seigneur de gloire d'être puissant, tu n'as pas beaucoup de raison. Pourquoi aller et ce petit saillot côté Abissou, comme vous avez la bonne, pour utiliser puissamment et efficacement au moment salinao pour la contrasmettre le soir, afin que Dimanabissou est là. Pourquoi mettre sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, la foi vient de ce qu'on attend. Il y a le baptême, Cassion, le baptême, comme ami, et tu dis comme il a mouru mon sang. De bato basolo ni natina na yo Yahweh solo azala inspiré na yo pour na communiquer biso grâce na yo
Amen. Amen. Oui. Toujours bête la parole, ma boko. Et toujours tenir misa. Misa koni. Kimia ya nkolo Yesu Kristo ezala na moko na moko. Amen. Toyebi ke lelo tozali le 16 septembre 2021. Nous savons très bien qu'aujourd'hui nous sommes le 16 septembre 2021. Et par la grâce de Dieu, tozali ko continuer notre enseignement sur l'ouverture des sept sceaux. Et par la grâce de Dieu, nous continuons notre enseignement sur l'ouverture des sept sceaux. Par chapitre 5, 4 et 5, pour nous parler sur Yamomoko livre des sceaux, des guézala qui ouvert et fermé, et aussi la façon dont trône les amis. Nous avions d'abord commencé par parler du chapitre 4e et 5e, voir comment les sceaux d'abord, les livres étaient ouverts, puis il est fermé. Oui, c'est ça, les kambo et tout le temps, malembe. C'est la chose avec laquelle nous marchons petit à petit. Notre souci, c'est que l'enseignement, ils ont vraiment bien compris. Notre souci, c'est que l'enseignement soit à sa place et qu'il soit bien compris. Parce que ce qui est compréhension, c'est salipé, ils ont la raté. Tout simplement que s'il n'y a pas de compréhension non plus, il n'y a pas de salut. C'est pourquoi il faut tant qu'on y a ce qu'on s'appelle avec les hommes et pèse en gamme pour se soudir à l'Ilobanazoyok. C'est ainsi que chaque fois, il faut que tu demandes que Dieu, donne-moi la compréhension de la parole que j'écoute chaque fois. Ce qui Israël a zanga qui salit à boire qui Jésus. Si Israël avait manqué les saluts en ratant Christ. Parce que Nzamba Botola qui est compréhension. C'est tout simplement que Dieu lui avait privé la compréhension. Aboya qui a comprendre le mouvement de Christ. Dieu avait refusé qu'Israël comprenne le mouvement de Christ. Yangwa crucifié qui le Messie. Voilà pourquoi Israël avait fini par crucifier le Messie. Lolenge Mokolelo. C'est de la même manière qu'aujourd'hui. Sur la terre, tous un unique église. Sur la terre, nous ne sommes pas l'unique église. Église est belle, Zali. Il y en a nombreuses. Mais l'église peut être belle, Wana. Nous avons bimé ni maman compréhension. Voilà pourquoi nous avons crucifié Christ pour la seconde fois. Amen. Voilà pourquoi Dieu a privé à ces nombreuses églises la compréhension. C'est ainsi qu'elles parviennent à crucifier le Christ. Parfois elles sont basées sur Dieu vous bénira. Vous irez de l'avant. Vous allez donner naissance. Ces choses-là, Dieu les a données gratuitement même aux païens. Quelqu'un qui ne prie pas, ne jeûne même pas, mais donne naissance. Quelqu'un qui ne prie, qui ne croit même pas en Christ a des millions, des milliers de dollars. Donc, foi n'a eu ça la base n'a mis le quoi en tête. Donc, ta foi ne doit pas être basée sur des matériels, non. Il y a un pierre à l'obé qui n'est pas un qui vraiment dans cette vie qui puisse toujours espérer. Tout ça va plus malheureux. C'est pourquoi Paul avait dit que si notre espérance est basée sur des choses mondaines comme ça, nous sommes les plus malheureux. Même Pierre à l'obé qui a aussi. Même Pierre aussi avait en parlé. Mais tu verras, beaucoup d'églises sont fondées sur des matériels seulement. Doctrine, mais des choses matérielles. Tout l'enseignement, toute la doctrine est posée sur les matériels. C'est une distraction. Là, c'est simplement une distraction. Au
Voilà la compréhension de la parole est là. Et tu verras que la compréhension de la parole, il n'y en a pas. Or, Dieu a tiré les salis dans la compréhension. Cependant, Dieu a pris les salis et l'a placé dans la compréhension de la parole. Yango étant enseignant de la parole, c'est pourquoi étant enseignant de la parole de Dieu, je ne peux pas me réjouir que tu sois dans l'ignorance. Paul a toujours, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Paul avait l'habitude de dire toujours, je ne veux pas que vous demeuriez dans l'ignorance. Parce qu'il faut y babouiller. Il faut que tu saches, Zambé a pour juger l'œuvre de chacun. Dieu va juger l'œuvre de chacun. De notre part, étant pas prédicateur, il faut travailler propre pour nous la récompenser. De notre côté, étant prédicateur, nous devons travailler proprement afin que nous soyons récompensés. Dans le enseignement où on Zambé enseigne l'Obama. Que nous puissions enseigner l'enseignement que Dieu demande de dispenser. Comme Paul avait dit que je refuse de courir en vain. Amen. Il y a des coureurs en vain. Afin de dire sur des choses physiques. Il est assis en train d'enseigner seulement sur des matériels. Mais le spirituel est atteint. Le spirituel n'est pas là. Il court pour des choses périssables. Également lui-même va périr ensuite. Et tout de suite, texte d'Abisso. Et nous prenons notre texte. Livre toujours Apocalypse 5, verset 1er et 2e. Et puis tout autant aussi Apocalypse 4, les versets 3 et 4. Nous prenons notre texte dans Apocalypse chapitre 5. Verset 1er au 2e verset, et puis nous allons lire dans le chapitre 4e. Pasteur Seba Kotan, le pasteur Seba Kolimbola. Moi je vais lire, le pasteur Seba va nous aider avec l'interprétation à l'Ingala. Tous autant à la compagnie Jésus Christ. Amen. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Bien à mon akikati na loboko ya mobali, ya oya fanda ki di kolona ngwende. Un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Beaucoup moko et komamaki na kati pe libanda et tiambi ndanga sambo. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Aki moanze moko na nguya oya banaki pe koganga na mongongo makasi. Qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Nani ako ki pona kofungola buku. Et personne dans les ciels ni sur la terre ni sous la terre ne peut ouvrir les livres ni les regarder. Côté, ezala na dikolo, ezala ata na mabele. Kota la yango. Nazui, verset 3 na 4 ya Exode 4. Je prends les versets 3 et 4 des d'Apocalypse 4. Et Apocalypse 4, c'est ça. Apocalypse 4 plutôt. Celui qui est assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Oyo apandaki azalaki na lolenge ya libanga ya jaspe pe sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Pe ngwende ezingelamaki na litimbo na lola to pe monama oyo yulani na émeraude. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes. Jinga jinga na ngwende na monaki ngwende sukumi bale na mine. Et sur ce trône 24 veillent assis. Pe likolo na bangwende wana na monaki mibange tukumi bale na mine. Revêtis de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Balati bilamba ya pembe pe likolo na moto na bango mitole ya wolo. Des trônes sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Wuto na ngwende ndezalai kobima mikali kali na mingongo pe na bakake. Devant le trône brille sept lampes ardentes qui sont les sept esprits de Dieu. Liboso na ngwende ndezalai kopela minda sambo oyeza kopela makasi oyo ezali milimu sambo na Nzambe. Que Dieu bénisse les lectures d'offrandes. Amen. Tokolinga surtout que vous comprendre l'enseignement. Nous souhaiterons que tu comprennes l'enseignement. Comprendre
livre. Que tu comprennes qu'est-ce qu'on appelle les livres. Et tant on est les livres fermés. Et quand est-ce que ces livres-là est fermé? Et tant on est mis au fond. Et quand est-ce que cela est ouvert? Et moto afandi na trône. Celui qui est assis sur le trône. C'est qui? Qui est-il? Et assis mes livres fermés. Il a saisi dans sa main droite les livres qui est scellé. Tout le monde aussi que les livres là qui écrit en dedans et en dehors. Et nous avions bien remarqué que les livres étaient écrits en dedans et en dehors. Dans notre marche, de la même manière que nous avions pu marcher hier, d'abord, nous avions montré ceci, que Moïse, que Moïse, toutes les choses qui sont venues après, même en Apocalypse, il les avait vues. C'est pourquoi nous avions donné l'écriture dont Salomon avait parlé. Que ce qui a été, c'est ce qui sera. Dieu ne ramène que ce qui a été. Maintenant, et nous avions pu marcher encore ainsi. Et ce qui est la vie, il y a l'écriture de Dieu. Que lorsque tu regarderas dans la vie des écritures de Dieu, Dieu a l'habitude de répéter une chose plusieurs fois et de répondre la même chose de plusieurs manières. Hébreux 1, verset 1er. Là, nous utilisons souvent Hébreux chapitre 1, le verset 1er. Et le baka, na bambala mususu, zambe alobela ki batata na biso. Il dit que autrefois, de plusieurs manières et de plusieurs reprises, Dieu a parlé à nos pères. Par les prophètes. Par les prophètes. Donc c'est que Hébreux 1 et Bissibisoboy. Hébreux 1 nous dit ceci. Zamba Ozala na jardin d'Eden. Dieu peut avoir les jardins d'Eden. Et dans les Écritures, il va reprendre les jardins d'Eden plusieurs fois. Dans plusieurs manières. C'est la chose dont tu dois retenir là. Si par exemple il possède Adam, il va retourner Adam là plusieurs fois. De plusieurs manières. Et de plusieurs manières. Ça veut dire ce qui Adam, Ozokomango ADAM. Si Adam, tu l'écris ADAM. Azongelaka de plusieurs manières. Il retourne cela de plusieurs manières. Na écriture mususa kozongela Adam neti ou bien neti Abraham. Dans une autre écriture, il peut reprendre Adam comme Abraham. Tu verras les mêmes choses que tu avais fait avec Adam, il les répète aussi avec Abraham. Il peut retourner Adam comme Noé. C'est ça la Bible. C'est comme ça que la Bible se constitue. Il faut comprendre l'ensemble des saints. C'est ça. C'est avec ces choses-là que tu dois comprendre l'assemblée des saints. Dieu peut prendre Adam de la même manière qu'il travaille. Tu verras Abraham comme ça, c'est toujours Adam. Maintenant, pour comprendre ma cambo, il y a une place à Adam, dans le jardin d'Eden. Pour que tu comprennes les choses qui étaient avec Adam dans le jardin d'Eden, à répéter, on a parlé de Il reprend cela plusieurs fois, de plusieurs manières, dans la postérité d'Abraham. Je prends un exemple. Dieu a vu la manière dont il avait créé les choses dès le départ. Et que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Par exemple, comme l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il veut reprendre cela lui-même. Il vient au moment de Noé.
Il ordonne à Noé de construire l'arche. Alobi Noé abenga ba être vivant au bazar na terre sèche ba ya okota selon nombre ya pesaki. Il a dit à Noé d'appeler les êtres vivants qui vivaient sur la terre sèche de rentrer selon que le nombre lui-même avait limité. Ba koti na arche. Et ces nombres-là, des êtres, sont rentrés dans l'arche. Maintenant, le Seigneur a mis ici la pluie. Dieu maintenant fait pleuvoir les déluges. A sali que l'arche est tombouement l'icolo à maille. Il a permis que l'arche monte et flotte les eaux. Oyo mona ki esprit na Genèse 1. Tu vois l'esprit qu'on parle dans Genèse chapitre 1. Yamonde bimisa bilongo et sali bilongo. C'est celui qui avait créé les choses. C'est la parole, l'esprit. Yamonde créé les séries qui bilongo. Maintenant, awa esprit est dans l'arche. C'est la parole, l'esprit qui a créé toutes choses. Maintenant, ici, à l'époque de Noé, c'est l'arche maintenant. C'est comme ça que Dieu répète. Amen. Plusieurs manières. Amen. Maintenant, tant que Dieu arche on a dit colon. Maintenant, lorsque Dieu a placé l'esprit, c'est de la même manière qu'il a placé l'esprit là au commencement. Maintenant, Salimini. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait encore? Dans Genèse 2. Dans Genèse chapitre 2. Il a nommé le jardin d'Eden. Il a parlé du jardin d'Eden. Mais à ça, l'action a accent à des arbres nommés. Dieu n'a fait qu'accent qu'aux deux arbres nommés. A nommé l'arbre connaissance du bien et du mal. Il a parlé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de vie. Et l'arbre de vie. Aïe peine à l'air y a Noé. Il vient aussi au moment de Noé. Noé tant qu'on s'agit nakata arche. Et Noé quand il était dans l'arche, aïe ba qui premier arbre. Et c'est là qu'il nommait comme ça dans l'écriture. Il avait la connaissance du premier arbre qui est nommé comme ça dans les écritures. Olivier. C'était l'olivier. Parce que Colombe qui n'a pas besoin feuille d'olivier. Tout simplement que la colombe était partie prendre la feuille d'olivier. Et lorsque les eaux étaient séchées complètement, l'écriture dit Noé a sali bilanga ya deuxième arbre. Noé a donc a fait les champs de quoi? D'un second arbre. Vigne. C'est la vigne. Donc Noé a sali bilanga vigne. Depuis lors que Noé avait fait les champs de l'écriture en déluge. Depuis l'écriture de Denis. Et ça a des arbres nommés. Donc Noé n'avait que la connaissance des deux arbres qui furent nommés. Olivier. L'olivier. Vigne. Aussi la vigne. Maintenant Noé allait pour la vigne. Et Noé a mangé le fruit de la vigne. Atikaliboulou. Il est resté nu. Mais il répète le jardin de terre. C'est comme ça qu'il y a la répétition du jardin de terre là-bas. Il ne fait que répéter. Dieu ne fait que répéter. C'est ça la Bible. C'est comme ça que la Bible. Donc c'est que la manière où Dieu trace des choses. Donc la façon dont Dieu trace les choses. La personne peut te raconter l'histoire. Na l'air ya zamba banda kaka na oiza terrestre a pas comme na spirituel. Quelqu'un peut te dire que non, l'arbre de la connaissance du bien et du mal c'était spirituel. Non. Quand Dieu commence avec les choses, c'est d'abord par un langage terrestre. C'était l'arbre. C'était un arbre physique comme mais ça. Mais zamba songe la gango de plusieurs manières. C'est ce que l'écriture résolve. Maintenant Dieu répète cet arbre de plusieurs manières comme le dit l'écriture. Maintenant a suit un peuple appelé Israël. Alors Dieu prend un peuple appelé Israël. Appelle ce peuple Israël des choses. Il a donné au peuple d'Israël deux choses. Esaïe 5. Cela se trouve dans Esaïe chapitre 6. Parce qu'il faut comprendre la Bible. Amen. Il faut comprendre bien la Bible. Tant que côté à son, tant que côté à son, et le tolbe de totangi son, tokangi mis. Quand nous allons prêcher les eaux, ce n'est pas en fermant fermement les yeux qu'on verra l'interprétation. Non, on doit voir cela à Moïse. Parce que Moïse, la montagne de Pisga. Parce que Moïse, Dieu l'avait fait monter à la montagne de Pisga. Il lui avait fait voir les territoires des pays qui étaient de l'autre côté. À mon avis, nord, sud, est. Ouest, il y a héritage. Il avait vu tous les quatre points cardinaux de la terre, de qui est l'héritage. Maintenant, qu'est-ce qui se passe-t-il?
Zambé na Ésaïe 5. Dieu dans Ésaïe chapitre 5. D'abord, sur Tanguy, psaume 80, na verset 9. D'abord, quand tu lis psaume 80 au verset 9, viens. L'écriture est le mythe au Tanguy na Kombo na Jésus-Christ. L'écriture dit, nous lisons au nom de Jésus-Christ. 80 au verset 9. Tu avais arraché de l'Égypte une ville. Yo opikolaki na Egypto mowiti moko. Tu as chassé des nations. Openganaki mabota. Et tu l'as planté. Yo olonaki yango. Awa abengi aussi vigne peuple d'Israël. Ici Dieu appelle l'arbre des vignes comme il fait voir comment il les avait retirés de l'Égypte. A chassé ma nation. Puis il a chassé des nations de devant. De cette terre-là par Josué. Et il a planté cet arbre. Il y a des ambés par l'esprit Israël. C'est comme un arbre. C'est Dieu lui-même qui appelle Israël par l'esprit, tout Israël comme un arbre. Peuple, ces peuples-là. Maintenant, ces peuples, tant que Bazaki na terre promise. Et ces peuples d'Israël, quand il était sur la terre des promises. Ésaïe 5, ils ont le babouille. Maintenant, Ésaïe 5 dit ceci. À partir du verset 1er. À partir du verset 1er. Je chanterai à mon bien-aimé les cantiques de mon bien-aimé sur sa vigne. Nakoyembela molinga minanga loyembo ya molinga minanga likolo na mobiti na ye. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Molinga minanga azalaki na nzete na mobiti na ngambu oyo mabele azalaki ya kitoko. Il en remia les sol. Abalusaki mabele et ôta les pierres. Pe abimisaki mabanga. Donc ko arrimier les sols côté les pierres les arbres sont 80 verset 9 ba nation ya benganaki. Donc arrimier les sols et ôter les pierres, c'est le fait que Dieu, pour placer sa vigne qui est le peuple d'Israël, il avait d'abord choisi les nations. Et il mit un plat délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle. Atongaki et tout moko kati na yango. Et il y creusa aussi une cuve. Puis il espérait qu'elle produirait de bons raisins. Mais elle en a produit de mauvais. Donc, tant Zambé a planté Israël la terre promise. Lorsque Dieu avait planté Israël dans la terre promise, appelle ça Israël des choses. Il lui avait donné des choses. Pour la tour, la cuve. Et la cuve aussi. Ces deux choses, ça signe des arbres. Ces deux choses ici parlent aussi des deux arbres. Est-ce que vous souvenez très bien? Cuve. La cuve. C'est pour se servir de se laver et boire aussi de l'eau. Mais tour. Mais plutôt la tour. C'est la poste et la sentinelle. C'est là que veille la sentinelle. Donc le Seigneur a perseguit Israël, les prophètes. Donc Dieu avait donné à Israël les prophètes et la sacrificature. Et la sacrificature, amen. Des choses qu'il avait données. Ce sont les deux choses-là. Maintenant, la sacrificature était dans ma boucle à Lévi. Et la sacrificature était entre les mains de Lévi. Et ça aussi, dans ma prophète. Il y a aussi des prophètes. Par contre, il y a comme une tour. Ce sont eux qui sont comme la tour. Maintenant, qu'est-ce qui se passe-t-il? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur, tant qu'on répète comme action, quand il répète les actions, il a sa manière par laquelle il répète. Aïe, dans le livre, il y a Ézéchiel 31. Il vient maintenant dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 31. Awazo Solonana, Égypte. Ici, il est en train de parler à l'Égypte. Il disait à l'Égypte la manière dont l'Égypte a eu qui pour secourir le roi des Gitans. La façon dont l'Égypte était venue pour secourir le roi des Gitans. Donc, pour secourir le roi des Gitans.
La manière dont l'Égypte était venue pour secourir le roi de Juda. C'est alors que le Seigneur a commencé à lui parler ainsi. Parce que. Car. Royaume nion sur la terre est allé qui puissante. Tous les royaumes de la terre qui furent puissants. Serpent. Dieu l'appelle comme le serpent. Esaïe 14, 29. Si tu prenais par exemple Esaïe 14, le verset 29, on va présenter la Syrie comme aussi un serpent. On présente là-bas la Syrie comme étant le serpent. Et bien, non, c'est en quoi Syrie a Zokoya, serpent, Moussoua Koya, basilique. On annonçait quand les serpents assyriens qui devaient tomber, un autre serpent devait venir comme le basilic. Et pour moi, on a eu autant qu'il y a dans Jérémie 8, verset 17. Et pour voir ces serpents qui devaient venir là, il faut les lire dans Jérémie chapitre 8, le verset 17. C'était Babylone. En réalité, c'était Babylone. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Ce qu'on t'a dit maintenant. Maintenant, quand tu regardes. Lorsque la Syrie était venue attaquer Israël et qu'il avait écroulé, Israël, il faut que l'héritage Israël montagne. Il faut savoir que l'héritage que Dieu avait donné à Israël, Dieu l'appelle montagne. Parce que Israël est limbo. Cela est aussi comme un signe. Exode chapitre 14, verset 17. 15, verset 17. Tu peux prendre cela dans Exode chapitre 15, le verset 17. Je vais lire cela après. Je suis d'abord dans Ézéchiel 31. Les nations, Dieu les représente aussi comme étant la vallée, un endroit plus bas. Maintenant, ma belle, on s'en va penser qu'il serait bien en haut. Jardin d'Éden. Mais la terre que Dieu donne à Israël, on l'appelle jardin d'Éden. Si Bango Bongo est à la manière de répéter de plusieurs manières. Saisis cela comme ça parce que c'est là dont Dieu répète la chose de plusieurs manières. Alors, ma femme dit Nyon sur ma belle, on a aussi comme les arbres des jardins d'Éden. Et les habitants de toute la terre sont. Non, non. Habitants à ma belle, où ils ont appelé ça qui Abraham. Les habitants de la terre que Dieu avait donnée à Abraham, Isa, bah, arbres aussi à jardin d'Eden, sont aussi considérés comme étant des arbres des jardins d'Eden. Il y a mon azur verset 16, il y a Ézéchiel 31. C'est pourquoi je prends le verset 16 d'Ézéchiel 31. Par le bruit de sa chute, donc la chute de la Syrie. Mais à l'heure où on a Babylone dans sa corée. Mais à cette heure-là, c'était Babylone qui dominait. Parce que Ézéchiel a zalaki na Babylone dans l'ère à captivité tant qu'à sauver son message. Parce que Ézéchiel était à Babylone dans la captivité pendant qu'il donnait ses messages. Alors il parle le bruit de sa chute. J'ai fait trembler les nations. Quand je l'ai précipité dans les séjours des morts. Avec ceux qui descendent dans la fosse. Tous les arbres d'Éden ont été consolés dans les profondeurs de la terre. Tu vois cette écriture? Maintenant, là, les arbres du jardin d'Éden, il s'est trouvé à l'ère où la Syrie était en train de chuter. Mais Banzete, on est allé dans la profondeur. Donc, Batikaka, montagne qui était la terre d'Abraham. Donc, ces arbres étaient dans la profondeur, c'est-à-dire, ils avaient abandonné la montagne qui était l'héritage d'Abraham. Ils sont allés tomber dans la profondeur, c'est-à-dire dans la vallée. Bazalaki na emprisonnement ya Syrie. C'est-à-dire ils étaient sous l'esclavage de la Syrie. C'est ça dans la profondeur. C'est ça dans la profondeur ou dans la vallée. Mais maintenant, lorsque Dieu a écroulé celui qui dominait sur eux, tous les arbres du jardin d'Eden s'est béni. Tous les arbres du jardin d'Eden s'étaient réjouis. Et les arbres du jardin d'Eden, ici, ce sont les enfants d'Israël. Maintenant, dans l'air, il y a Sédécias. Maintenant, au temps de Sédécias, Ézéchiel a sorti un message. Pour
qui Ézéchiel a envoyé ce message? Quand il a envoyé ce message, c'était pour dire à l'Égypte qu'il voulait soutenir Israël. Or, Israël a zagi na mabe. Et Israël était dans le péché. Donc, Sédécias, roi d'Égypte, a zagi na mabe na masou. Et le roi Sédécias, tous étaient dans le péché. Mais à sa alliance dans l'Égypte, il est allé faire plutôt l'alliance avec l'Égypte. Et l'Égypte s'est préparée pour aller soutenir la tribu de Juda, le royaume de Juda. Quand ces choses-là s'est passées, Esaïe l'avait déjà prophétisé dans les temps anciens, vraiment. Anciennement. Quand tu lis Esaïe chapitre 3, l'Égyptien est un homme. Il avait dit que l'Égyptien c'est un homme. Ses chars, les achères, les anneaux esprit. Ses chars sont des chairs et non l'esprit. Lorsque l'Éternel étendra sa main, les protégés, les protecteurs tomberont. Celui qu'on a protégé, celui qui protège, tous tomberont. Là, Esaïe a zambou mona magambe ko salemana tamboye. Et Esaïe voit Ézéchiel azolo. Esaïe voit les choses qui vont s'accomplir au temps où Ézéchiel donnait le message. C'est maintenant Ézéchiel a talisi lolenge zamba ko esaki Assyrie. C'est maintenant Ézéchiel qui montrait l'exemple de la manière dont Dieu avait fait tomber la Syrie. Pour délivrer tous les arbres et les jardins d'Adam. Pour ainsi délivrer tous les arbres du jardin d'Eden. Oui, ça comme à Israël. Qui sont comme les enfants d'Israël. Tous les arbres. Comme on a dit tous les arbres. C'est que la carte n'a deux arbres. C'est qu'au milieu d'eux, il y a deux arbres. Amen. Il y en a deux arbres. Il y a deux arbres. C'était la prophétie. C'était toute une prophétie. Et la sacrificature. Amen. Et aussi était parti en captivité. Si tu lisais dans les Écritures, tu verras que lorsque le peuple est parti en captivité, il y a eu aussi des prophètes qui amenés en captivité. Même les prophètes aussi furent également amenés en captivité. Des sacrificateurs. Même aussi des sacrificateurs. Ce sont eux qui sont comme signes de deux arbres. Amen. Bonne année. Pourquoi? Tous les arbres du jardin d'Eden sont peuplés. Parce que tous les arbres du jardin d'Eden, c'est tout le peuple d'Israël qui est en captivité. C'est une écriture. Pourquoi l'on l'a monté? C'est un verset. C'est un verset, tu ne sauras pas ôter cela. Il y a mon éternel des Aïe 5. Le Seigneur a fait ça qu'il y ait des choses. Voilà pourquoi je t'avais montré dans Isaïe chapitre 5. Que l'Éternel avait donné à Israël des choses qui lui aideront. Maintenant, à Ouazam, Bapé, si exemple, il y a Égypte, il y a Syrie. Maintenant, si Dieu donne l'exemple de la Syrie, de la manière dont le royaume de Babylone avait écoulé la Syrie, maintenant, il y a un verset 18e, il y a Ézéchiel 31. Maintenant, il vient au verset 18e d'Ézéchiel 31. À qui ressemble-t-il ainsi en gloire et en grandeur? Yo oyulani nana ni bongo na kembo pe na bonene. Parmi les arbres d'Eden. Kati na banzete na Eden. Qui sera précipité avec les arbres d'Eden? Okokwa kema elongo na banzete ya Eden. Dans les profondeurs encore de la terre. Na kati ya mozindo ya mabe. Qui sera couché au milieu des incirconcis? Okola la kati kati na ba esute. Avec ceux qui ont péri par l'épée. Voilà Pharaon et toute sa multitude. Dit le Seigneur l'Éternel. Donc, Ézéchiel, quand tu le voyais, mouvement Nyonso, Sédécias, Asala, qui roi de l'Égypte, roi de Juda. Tous les mouvements qu'avait fait Sédécias, qui était le roi de Juda, on a tangé à partir de 2 Rois, chapitre 24. Là, tu peux lire cela à partir des 2 Rois, chapitre 24. Au bandit, à partir du verset 18e. À partir du verset 18e. L'Olinga a dit qu'il m'a envoyé en Égypte. De la manière dont il avait envoyé les envoyés en Égypte. Et Nzamba et Bessi, Bango. C'est maintenant que le Seigneur leur a répliqué. Vous êtes les arbres du jardin de Dieu. Mais vous serez précipités. Amen. Comme aussi l'Égypte. Amen. C'est ça l'écriture. Amen. Maintenant, on dit qu'il y a un arbre, jardin, jardin. Tu ne vas pas seulement rester arbre.
Jardin d'Éden, jardin d'Éden. Non. La prophétie marche. Ça veut dire la prophétie en train de marcher. C'est comme la Bible qui dit dans Genèse 3:15. C'est comme quand je vous avais parlé de Genèse chapitre 3 verset 15. Au moment où Dieu parlait avec le serpent. Amen. Alors dit, je mettrai l'inimitié entre la femme et toi, le serpent. Dieu avait dit que je mettrai l'inimitié entre toi, le serpent, et toi, le serpent et la femme. Entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Et les gens ne prêchent que l'inimitié entre la postérité de la femme et du serpent. Et la postérité du serpent. Et la postérité du serpent. Mais le verset bandit nous en terre. Mais le verset ne dit pas seulement comme ça. Là, ils se précipitent dans leur langage. Kayan. Amen. Amen. Le verset n'a pas commencé là-bas. Même si tu as mal prêché, le verset ne commence pas. Le verset commence. L'inimitié entre d'abord femme. L'inimitié, c'est entre d'abord la femme et le serpent. Ainsi qu'avec le serpent. Maintenant, femme, on en a bouillé, c'était elle. La femme, là, physiquement, comme ça, il s'agissait d'être. Maintenant, si nous commençons à chercher. Parce que quand on a dit je mettrai, ils en ont fini. Parce que quand Dieu avait dit je mettrai, donc c'est au futur. Tika, Genèse 3. Laisse Genèse chapitre 3. Je mettrai. Je mettrai. Marche. Oui, on va nous continuer. Tu commences à continuer. Parce qu'on a dit je mettrai. Parce qu'il a dit je mettrai. Bando tambo la luka mona. N'est-ce pas, marche d'abord. Au commune en 4. Tu arrives au chapitre 4. Je mettrai. Je mettrai, où est-il? Si tu finis les chapitres 4, tu ne vois pas. Je mettrai. Continue encore, je mettrai. L'équipage. Tu passes encore au 5e chapitre. Tu arrives au chapitre 5. Je mettrai. Dans le chapitre 5, tu cherches. Oh, bah, et puis je suis en affiti. Parce qu'on t'a déjà dit que c'est au futur. Il mettra. Lukaka. Mais cherche. Eve Soukeli, na Genèse 5. Ève est finie, s'est arrêtée, l'histoire d'Ève s'est arrêtée à la Genèse. Elle est allée se reposer pour soi. Or Dieu, quand il dit la chose, cela arrive. Amen. Maintenant, c'est que la géométrie, il faut tambour Dieu comme on a. Ah, famille. Donc il faut que dans géométrie, en marchant, tu te rends compte que voilà la femme maintenant. Après, on a un serpent. Ah, aussi le serpent est là. Géométrie, donc ça. Ce jour-là, je mettrai même le serpent l'avait appris auprès de Dieu. C'est alors que c'est Dieu lui-même qui viendra avec l'inimitié, lui-même Dieu avec l'inimitié. C'est donc, fabrication de l'éternel, c'est, inimitié. C'est-à-dire, ça sera une fabrication de l'usine de l'éternel. Lui-même qui a fabriqué. Parce que c'est écrit, je mettrai. Satan tenda. Ce n'est pas Satan, c'est Dieu. Le verset ne dit pas comme ça. Et Dieu parlait avec Satan. Malobi ngande. Il a dit, c'est moi. Mais pourtant, je mettrai. Mais il faut que tu marches, tu cherches. Jésus. Parce que Dieu n'a jamais menti. Amen. Moi, on t'a sauté directement. Inimitié entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Verset Manibomote. Tu verras quelqu'un qui saute directement. Non, l'inimitié entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Les versets ne commencent pas là-bas. Yango Badilo Konyo Soyo, Nazota Nisayo, Ponakoye Make, Dieu parle de plusieurs manières. Voilà pourquoi tout ceci, je suis en train de te montrer seulement que Dieu parle de plusieurs manières. C'est pourquoi hier je t'avais montré ceci. En parlant sur le trône. Le trône parle de la royauté. La Bible, ce qu'on dit, témoignage, écriture. Dans la Bible, quand tu prends un témoignage de l'Écriture, tu prends par exemple Apocalypse chapitre 17, Bazo présentait trois sept collines. On nous présente les sept collines comme sept rois. Comme étant sept rois. Donc, montagne et Talisaka, roi, bien royaume, bien trône. La montagne parle du roi, ou soit du royaume, ou encore du trône. Si tu lis dans Zacharie chapitre 4, la parole de l'Éternel, qui est-il grande montagne de
devant Zorobabel. La parole de Dieu dit qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Grande montagne, wana, c'est tout un roi. Cette grande montagne, c'était tout un roi. Ezaki roi des Perses. C'était le roi des Perses. Yenda zaki ko combattre construction ya temple. C'est lui qui combattait la construction du temple. Sokotangi Esdras 5, Esdras 6. Si tu lisais dans Esdras chapitre 5 et 6, tu verras cela. Qui es-tu? C'est pourquoi Dieu lui avait rétorqué, qui es-tu? Grande montagne. Amen. Devant Zorobabel, tu seras aplani. Amen. Montagne de Bazota, c'est royauté, pouvoir. Donc la montagne parle de la royauté et du pouvoir. Donc, il faut y baka balangage ezana. Dans toutes ces choses-là, il faut que tu connaisses les langages qui se trouvent dans la Bible. Cela est très important. De la même manière, Dieu, quand il écoule un royaume, dans Job 14, verset 18, dans Job chapitre 14, verset 18, il dit ceci : la montagne s'écroule et périt. Job 14, verset 18. La montagne s'écroule et périt. Ngomba ezali kokwea pe ezali kobeba to kokufa. Dans une étude, Job 9, verset 5. Nous prenons par exemple Job 9, le verset 5e. Il transporte soudain les montagnes. Ye azali komema na poissa bangomba. Et il les renverse dans sa colère. Pe azali kokwe isango kati na nkele na ye. Donc yenda permettra que ma montagne ezala yenda simbakango. C'est Dieu qui permet que les montagnes existent car c'est lui qui les soutient. Tout royaume sur la terre zamenda permettra que ça. Tous les royaumes qui existent sur la terre, c'est Dieu qui permet que cela existe. Mais son cas lingui a renversé, moi, qu'on renverse ma montagne. Mais si Dieu veut encore les renverser, il va renverser ces montagnes-là. Yango Daniel alobaki, tu établis les rois et tu les renverses. C'est pourquoi Daniel avait dit que tu établis les rois et tu les renverses aussi. Tu changes les temps et les circonstances. Amen. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. Et tant que alobaka na pouvoir, na autorité. Et quand on parle du pouvoir et de l'autorité, supériorité, cette suprématie-là, ezala ka présenté comme et là comment vous êtes très élevé. Cela est présenté comme une chose qui est très élevée, on est le bénémoine montagne. Ou dans d'autres langages, la montagne. Maintenant, ceux-là qui possèdent un petit pouvoir sont appelés la colline. Neti ndenge tozaboye. Moi montagne ya moke, eza moi babokonzi ya bafricain oyo. Tel que nous sommes là, des petites montagnes, c'est comme les royautés des Africains. Kamwa ba colline, des toutes petites. Mais il y a des montagnes. Il y a des montagnes. Balmagne. Ce sont des Allemagnes. Ba États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique. Angleterre. Les Angleterres. Est-ce que tu suis très bien? Langage, la Bible. Il faut que tu connaisses ce langage-là parce que c'est ce qui est utilisé dans la Bible. La Bible est un langage de signes. La Bible a des langages de symboles. Tu utilises des symboles. Si tu ne comprends pas les symboles, tu auras des difficultés. Yango tango apesaki Adama pouvoir nios. C'est pourquoi lorsqu'il avait remis Adam tous les pouvoirs, avant qu'Adam ne pêche, cela montre que les livres étaient ouverts. Donc l'autorité, supériorité, montagne. Donc la supériorité, l'autorité qui parle de la montagne. Est-ce que nous suivons très bien? Dieu avait dit à Adam de dominer. C'est ça la montagne. C'est ça qui signifie la montagne. Sur les oiseaux du ciel. Amen. Sur les bêtes des champs. Amen. Même tous ceux qui vivent dans les cieux. Cela veut dire spirituellement ceux qui attendent dans la montagne. Donc spirituellement, Dieu avait pris Adam et l'a placé sur la montagne. Lolenge moko. De la même manière, ta
Comme aussi sur toute la terre. Il a pris Abraham. Parce que Adam s'est à l'image de Dieu. Parce que Adam fut créé à l'image de Dieu. Comme signe, bien sûr. Étant le signe. Parce que véritable image de Dieu, c'est la manifestation à Jésus-Christ. Parce que la véritable image de Dieu, c'est lorsque Christ s'était manifesté. Quand Dieu avait pris Abraham, adopta Abraham. Il a adopté Abraham. Donc Dieu a fait devenir Abraham son fils. Abraham est devenu son fils. Les autres personnes qui vivaient sous le soleil, c'était des fils des hommes. Mais Dieu avait fait d'Abraham son fils. Nous prenons le témoignage dans Genèse chapitre 23. Au verset 6. Que lorsqu'Abraham voulait payer la terre sépulcrale pour enterrer sa femme, tous ces gens-là qui vivaient sur la terre étaient des fils de Heth. Ils lui ont dit que nous n'allons pas te vendre la terre. Et la terre, c'est pour vous, Abraham. Pour appeler Abraham prince de Dieu. Parce qu'il avait appelé Abraham, tu es prince de Dieu. Je le lis. Genèse chapitre 23. Genèse chapitre 23. Pour que tu comprennes comment Dieu classe ces choses. Dans Genèse 23. Dans Genèse chapitre 23. Dans verset 6. Verset 6. Dans verset 5. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoute-nous, mon Seigneur. Yokabiso Kolona. Le fils de Heth répondit à Abraham en lui disant. Banana Heth bayanola ki Abraham na koye bisakaye. Maintenant, na komi na verset 6e de Genèse 23. J'arrive au verset 6e de Genèse 23. Écoute-nous, mon Seigneur. Yokabiso kolonanga. Tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Oza. Voilà. Mwana na nzambe kati na biso. Na suka l'écriture. J'ai pris seulement cette écriture. Abraham comme la montagne la plus élevée sur la terre. Donc en regardant comme ça, Abraham était comme une montagne la plus élevée sur la terre. Prince de Dieu. Parce qu'il était prince de Dieu. C'est pourquoi quand Dieu est venu éprouver Abraham plutôt dans Genèse chapitre 22, il avait prononcé une parole. L'ange de l'Éternel. C'était l'ange de l'Éternel. Quand tu regardes la place que Dieu avait donnée à Abraham, Dieu ne fait que répéter Adam. C'est comme ça qu'il faut comprendre la Bible. C'est de la manière dont il faut comprendre la Bible. Dieu répète de plusieurs manières, de plusieurs reprises. Amen. Au moins, nous sommes aussi Genèse 22. Tu vois, quand tu prendras Genèse chapitre 22, dans verset 17, au verset 17e, j'ai le nom de Jésus-Christ. Ah. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Comme les étoiles du ciel. Et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Dans la portion écriture, il y a verset 17e à Genèse 22. Regarde cette portion d'écriture de Genèse 22 au verset 17. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Si tu lis dans Job, Job dit ceci. Dans Job 29. Dans Job chapitre 29. À partir du verset 6. Au verset 6e. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Quand mes pieds se baignaient dans la crème, tango
makolo na ngai ezalaki kosukola kati na miliki. Et que les rochers se répandaient près de moi des ruisseaux d'huile. Pe tango libanga ezalaki kosopa pene na ngai bibale na mafuta. Naza na Job 29. Notez verset 6 et dans verset 23. Si je sortais pour aller à la porte de la ville. Ce qui n'a bimaka pona ezalaki komimaka pona kokende na ikuke ya ngumba. Et si je me faisais préparer un siège dans la place de la porte. Ce qui n'a mis bongiselaka et fan de l'omoko na isika. Les jeunes gens se retiraient à mon approche. Bilenge mibali bakozala mosika na ngai. Les vieillards se levaient et se tenaient debout. Mibange bazalaki ko telema pe bazalaki kozala ya ko telema. Les princes arrêtaient leur discours. Bana na mokonzi bazalaki ko tika maloba na bango. Et mettaient la main sur leur bouche. Pe bazalaki ko tia loboko na minoko na bango. La voix des chefs se taisait. Mingongo na bakonzi ezalaki kofanda kimia. Et leur langue s'attachait à leur palais. Pe lolemo na bango ezalaki kokangema na minoko na bango. L'oreille qui m'attendait. Litoyo ezalaki koyoka. Me disait. Ezalaki koyebisa ngai. L'oreille qui me voyait se me rendait témoignage. Liso ebandaki komona ngai ezalaki kotatola ngai. Car je sauvais les pauvres qui imploraient du secours. Et l'orphelin qui manquait d'appui. Là tu iras faire toute la lecture. Mais na suis verset 24 à 25. Je prends directement les versets 24 à 25. Je leur souriais quand ils perdaient courage. Nazalaki koseka bango tango ba makasi na bango esilaki. Et l'on ne pouvait chasser la sérénité de mon front. Pe bakokaki ko bengana te bosembo na elongi nanga. J'aimais à aller vers eux. Nazalaki kolingana kende pa na bango. Et je m'asseyais à leur tête. Pe nazalaki nde kofanda na mutu na bango. J'étais comme un roi. Nazalaki lokola mokonzi. Au milieu d'une troupe. Na kati na tonga na bato. Au moins, il nous a expliqué la parole à la porte. Tu vois la manière dont il explique la parole à la porte. Parce que Yesu va dans la porte à Fandi. Quand il est assis sur la porte, Batunyoso va se retirer. Toutes les personnes autour de lui vont se retirer. Le discours même y a ma continuance sur la terre et au Kamamuno. Pour y aller à la porte. Tous les discours de tous les chefs de la terre vont cesser. Azalaki soga zoloba. Il était quand il parlait. Il parlait comme étant na tête na bamonions. Il parlait comme étant au-dessus de la tête de tous ceux-là. Azalaki comme un roi. Donc il était un roi. Donc Azalaki comme une montagne au milieu d'eux. Amen. Il était comme une montagne au milieu d'eux. Azalaki la prophétie qui parlait de Christ et Jésus. Cela était comme une prophétie qui parlait de Christ et Jésus. Mais toujours sur ma texte pour y bander qui m'a campagne Isala. Mais nous prenons seulement des textes afin que tu saches comment les choses se passent. Parce que tu as percé sans compréhension, non? On ne peut pas aller en profondeur sans la compréhension. Il faut t'occuper avec compréhension. Nous marchons toujours avec la compréhension. Et ça, très important. Cela est très important. Maintenant, tu n'as pas dit que Zambé a Talisaki comme trône, royauté Talisaki comme une montagne. C'est que Dieu parle du trône comme la montagne aussi. Comme un royaume aussi. L'olingi moko. De la même manière. Tangu ozomona. Quand tu vois. Na écriture ya Genèse 2. Dans verset 10. Dans l'écriture de Genèse chapitre 2, le verset 10. Na tangi ango Genèse 2, verset 10. Je le lis. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins. Et par le moko et bimaki na Eden bonatina na kwa rosé elanga. Et de là il se divisait en quatre bras. Pe kuna yango ekabwanaki na biteni
Maintenant, pour connaître la place où le fleuve sortait et qui venait jusqu'au jardin, il faut t'en police 22. Il faut que tu lises premier. Il faut que tu lises cela dans Apocalypse chapitre 22. Parce que le fleuve sortait d'Éden. Parce que là-bas, le fleuve sortait d'Éden. Pour écouter dans le jardin. Pour aller dans les jardins. Maintenant, qu'est-ce qui se passe-t-il? Dans le verset 1er d'Apocalypse 22. Au verset 1er d'Apocalypse 22. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie. Et à la Kisakinga et Balimoko. Yama inabomoy. Limpide comme du cristal. Oezalaki pembe lokola libanga na cristal. Qui sortait d'Éden. Oezalaki obima na Éden. Donc, du trône de Dieu. C'était du trône de l'agneau. Qui est l'agneau. Et quand tu as lu dans le chapitre 2e de Genèse, verset 10e, au verset 10, on a donné cela le nom. Trône. C'est le trône. Est-ce que nous suivons très bien? Donc lorsque les eaux là rentraient dans les jardins d'Éden, c'est le trône. C'était le trône qui était venu. Le trône cautionné pour aider sa vie dans le jardin d'Éden. C'est le trône qui était descendu en sillonnant afin de donner la vie au jardin de Dieu. Au milieu du trône, il y a quatre êtres vivants. C'est pourquoi tu verras qu'au milieu du trône, il y avait quatre êtres vivants. Le même quatre êtres vivants dans le trône, on ne peut pas au milieu autour du trône. Les mêmes êtres vivants qui sont au milieu du trône sont ceux-là qui tournent autour du trône. Donc quand ils sont dans le trône, donc quand ils sont au trône, au milieu du trône, ils sont là-bas, ils sont dans le trône. Les signes, c'est comme les quatre fils qui étaient à Aaron. Au milieu du trône. Au milieu du trône. Aaron engendra qui bana, ba komi pe, ba sacrificateur. Donc, autour du trône, c'est le fait qu'Aaron avait engendré les enfants et ils sont devenus des sacrificateurs. La réalité, il y a que Christ qui est roi. Dans la réalité, veut dire que Christ qui est roi a mis comme Isaka serviteur de lui-même. Amen. Il devient le serviteur de lui-même. Il est au milieu du trône. C'est pourquoi on dit qu'il est au milieu du trône. Et autour du trône. Et il était aussi autour du trône. Pour adorer Ozana trône. Afin d'adorer celui qui est sur le trône. Donc ce mouvement-là ne parle que de Christ lui-même. Et Dieu bénisse. Amen. Mais tant au monde. Mais lorsque tu vois de la manière dont le fleuve avait pénétré au milieu du jardin, c'est tout un trône. C'est tout un trône, ces hommes. Ce qui manifeste aussi la supériorité du jardin d'Éden. Mais quand la chute est commis, lorsque la chute était venue, Dieu a scellé les trônes. Dieu maintenant avait scellé les trônes. Amen. Il a fermé. Donc Dieu avait fermé les trônes. C'est ce qu'ils ont expliqué dans la montagne de Sinaï. C'est ce qu'il expliquait à la montagne de Sinaï. Est-ce que nous le suivons très bien? La montagne de Sinaï, ça n'est pas. Qu'est-ce qu'il avait fait à la montagne de Sinaï? Moi, il faut que je retourne chaque fois pour que tu saisisses cela bien. Pour comprendre que la montagne est sa royauté. Nous avions compris que les montagnes parlent de la royauté. Roi. Du roi. Supériorité. De la supériorité. Est-ce que nous suivons très bien? De la même manière qu'il avait donné à Abraham la supériorité. Supériorité, on est là qui porte la postérité à Abraham et qui domine la porte ennemie. La supériorité, là, c'était que la porte de la postérité d'Abraham va dominer les autres portes des ennemis. Porte en réalité, je vais vous expliquer comme ça, sagesse supérieure. Et la porte, Job l'explique comme étant la sagesse qui est supérieure. Il dit que quand je parle, les gens se retirent et puis ils cessent de parler. J'étais comme tête dans la monios. Donc il disait que j'étais comme la tête sur eux tous. J'étais comme un roi. J'étais comme un roi. Je pense que vous comprenez les portes. Je pense que vous comprenez simplement les portes. C'était la supériorité que Dieu avait donnée à Abraham. Que Dieu bénisse. Amen. Quand il fait cela à Abraham, il ne fait que
Il ne fait que répéter la manière dont il avait donné l'autorité à Adam avant sa chute. Maintenant la chute d'Adam, c'est de la manière dont, quand lorsque la postérité d'Abraham rentre dans le péché. Là maintenant Dieu prend cette supériorité. Il ferme cela, il les scelle, il la scelle. C'est de la même manière comme il avait fermé aussi le jardin d'Eden. Maintenant, Azoko explicite, Dieu encore explicite de la manière dont il avait fait cela dans le jardin. Il faisait voir que lorsqu'Israël tombe dans les péchés, le ciel est fermé. Or, dans Esaïe 34, verset 4, va bien dans le ciel comme un livre. Or, dans Esaïe chapitre 34, les versets 4 et 5, on appelle aussi le ciel comme étant les livres. J'avais donné aussi l'écriture de Josué chapitre 18. Autant que verset 9 à 10. Quand tu prends les versets 9 à 10. On compare la terre de l'héritage comme étant un livre aussi. Maintenant, quand tu pars dans Deutéronome chapitre 28, lorsqu'Israël rejette la parole, Dieu ferme le ciel et aussi la terre. C'est ça. Deutéronome 28, verset 23. Amen. Comme la terre est un livre. Comme la terre c'est un livre. Le ciel est un livre. Le ciel aussi, les livres. Quand Israël a péché. Oui. Mais Dieu seul est le livre. Amen. A quand il livre. Donc il a fermé les livres. Maintenant, Zambé poivre la livre à l'homme obéissant. Maintenant, pour que Dieu ouvre ces livres-là fermés, il cherche l'homme obéissant. C'est pourquoi tu remarqueras dans Exode chapitre 19 la place. On peut comprendre Oyo montagne Sinaï ça comme trône, mais Aweza scellé. Nous avions déjà compris que la montagne c'est comme un trône, mais ici c'est fermé. Qu'est-ce que Zamba l'obagi? Qu'est-ce que Dieu avait dit? Otali verset premier. Tu prends d'abord à partir du verset premier. Il y a Exode 19. Exode 19. Le troisième mois après leur sortie du pays d'Égypte. Sans amisato semana bango kobima na Égypte. Les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Bana na Israël bakomaki mokolo wana na esobe ya Sinaï. Ezalaki na quatrième mois. C'était au quatrième mois. Misato. Troisième mois depuis leur sortie ya Égypte. Amen. Est-ce qu'à ce moment-là, Dieu avait déjà établi des sacrificateurs comme ça? Ayez pour établir un sacrificateur en Exode 40, au Tangiango, et puis au Tangiango, au Lévitique 8. Il est venu établir les sacrificateurs dans Exode chapitre 40, aussi dans Lévitique chapitre 8. Et ça va qu'il y a deuxième année. C'était à la seconde année. Les premiers jours du premier mois. Amen. Jour à Tiaki tabernacle. Les jours qu'il avait établi le tabernacle. Et ça jour à Wenyaki Aaron comme souverain sacrificateur na bananaï. C'est le même jour que Moïse avait oint donc Aaron et même ses fils comme étant sacrificateurs. Mais dans le verset 24. Maintenant regarde au verset 24 d'Exode. Na troisième mois. Au troisième mois. L'Éternel lui dit. Seko à l'obélie. Va. Ende. Descends. Quitte. Descends. Tu monteras ensuite avec Aaron. Oko matabongo elongona alona. Awa Aaron azo matako prophète de Moïse. Ici Aaron montait comme étant le prophète de Moïse. Toujours la malade. Est-ce que nous suivons très bien? Exode 4. Parce que dans Exode chapitre 4. Le Seigneur a émis ça qui est. Le Seigneur avait dit. Aaron te servira de bouche. Il avait dit à Moïse qu'Aaron te servira de bouche. Tu tiendras la place de Dieu pour Aaron. Amen. Voilà dans verset 16 à 17. Là, il y a Exode 4.
Là, c'est au verset 16 et 17 d'Exode 4. Même si on tangi Exode 7, verset 1er. Même quand tu prendras Exode chapitre 7, le verset 1er. Moïse était Dieu pour Pharaon. Moïse était Dieu pour Pharaon. Et Aaron son prophète. Amen. Alors, Aaron son maintenant prophète. Ici, Aaron montait avec Moïse comme étant les prophètes. Mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel. Kasi banganganzambe na libota ba weli sate pona komata e paina seko. Qui sont ces sacrificateurs? Amen. Il faut dans mon Exode 12 verset 21 à 22. Amen. Il faut que tu lises cela dans Exode 12 à partir du verset 21 jusqu'au verset 22. Nous les lisons. Exode 12 verset 21 à 22. Amen. C'est pourquoi j'ai souvent dit ceci. Comme l'écriture aussi nous en parle. Oh, nous allons établir un ancien dans l'église et un frère simple, ça n'existe pas. Ça, c'est une prédication d'insensé. Attends, Exode 12, verset 21-22. J'ai lu Exode chapitre 12, verset 21. Moïse appela tous les anciens d'Israël. Et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles. Immolez la Pâque. Donc ce sont les anciens. C'était des anciens. Qui dit la première année avant que Zambé a institué vraiment sacrificateur, qui était des sacrificateurs? Jusqu'à la première année avant que Dieu n'établisse des sacrificateurs, ces anciens furent des sacrificateurs déjà. Parce qu'ils ont sacrifié. Ils ont sacrifié ici, comment on va les ôter? Et là, c'était le troisième mois. Amen. Au troisième mois, Dieu voyait des sacrificateurs. Au troisième mois, Dieu voyait des sacrificateurs là-bas. Et ces sacrificateurs, ce sont des anciens. C'était des anciens. Amen. Il y a un bon moyen d'Exode 24. C'est pourquoi lorsque tu prends Exode chapitre 24, le Seigneur a le dit Moïse. Dieu dit ceci. À partir du verset 1er, Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, à verset 1er. Toi, Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël. Zambé Ayabisi Mose, Matai Panaseko, Yo, Alona, Nadab, Abihu, Pe, Mipange, Tukusambo, Papa, Kana, Israël. Parce qu'il y a pour l'adoration. Il venait pour l'adoration. Et vous, vous prospérerez de loin. Bino, Bokokumba, Manamosika. Au moment où Zambé Ayabisi Moïse, oui. Tu vois, quand Dieu avait parlé à Moïse de la manière suivante, sois l'ancien. Que prends les anciens aussi. Sois aussi Nadab, Abihu, Bana, Aaron. Prends aussi les fils d'Aaron, Nadab et Abihu. Pour qu'ils montent ensemble avec toi. Moïse connaissait l'enseignement. Amen. Quand il est descendu, il n'était pas venu d'abord avec eux. S'il était venu avec eux de la même manière là, il devait mourir, même si Dieu lui avait dit, va les prendre et venir avec eux ici. Mais qu'est-ce que Moïse avait fait? Moïse écrivit toutes les paroles, verset 4. Toutes les paroles de l'Éternel. Moïse a komaki maloba manso maseko. Puis il se leva de bon matin. Il bâtit un hôtel au pied de la montagne. Et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes. Et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang. Moïse a zoaki eteni ya makila. Qu'il mit dans le bassin. Et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Eteni mususu apanzaki angoli kolona etumbelo. Il prit le livre.
livre de l'alliance. Azui buku na boyoka. Elle est liée à la présence du peuple. Il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Biso tokosa la nyonso se kwa lobi pe tokotosa. Moïse prit le sang. Mose azwaki makila. Et il est répandu sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ses paroles. Lorsque les sangs furent répandus, cela veut dire les sceaux et cela qui montagne les a brisés. C'est-à-dire les sceaux qui avaient scellé la montagne comme le trône étaient brisés. Oui, ça a dit Exode 19. Qui était dans Exode chapitre 19. Parce que ces sceaux disaient Moutoumou voté à Komata. Parce que les sols qui un peuple a touché, c'est un problème. Hein, les personnes ne devaient pas monter à la montagne ni à toucher les corps. Attends, ça va qu'il y ait ordonnance. Il y a mis ça dans le moment. Même si Dieu avait dit à Moïse, ordonne le peuple, le quoi, les anciens de monter. Moïse t'en a accueilli. Quand Moïse était parti, à l'alinaï. Il est parti sans dormir. L'homme il attend. Le matin. Arabie bon. Il dit maintenant. Azo comprendre maman zamba monengisa. Parce que vous n'êtes pas sauf. Il avait déjà compris les choses de Dieu parce que Dieu avait mis à la montagne les sceaux. Il avait fermé la montagne. Est-ce que nous suivons très bien? Non. Il a dit non. Il faut qu'il y ait expiation. Ça, il faut qu'il y ait expiation d'abord. Quand est-ce Baboni sacrifice? Il a égorgé les sacrifices. Et ensuite, a monté. Après l'immolation du sacrifice, et maintenant ils sont montés. Est-ce que vous suivez très bien? Alors, quand il m'a commenté pour moi, c'est prosterné pour adoration ça. Dieu avait dit que quand ils monteront, c'est pour se prosterner afin que l'adoration se fasse. Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 4. Jésus dit dans Jean chapitre 4. À partir du verset 23, il dit dans 24. Amen. Avec le Père et l'Esprit. Oui. Il faut que ceux qui l'adorent. Ok. L'adorent en esprit et en vérité. Ah. Mais les adorateurs dont le Père cherche. Mais il y a des adorateurs dont le Père cherche. Maintenant, en ce temps-là, quand l'agneau n'avait pas encore versé son sang, personne ne pouvait monter sur la montagne. Aucune personne ne pouvait monter à la montagne. Les trônes étaient scellés. Parce que les trônes étaient scellés. C'est pourquoi tu verras qu'il a dit aux pierres, priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Amen. Mais lui est parti prier. Pierre et Jacques ont tenté de prier. Chaos dans les sommets. Jésus venait de regarder. Il parlait de tous les serviteurs de Dieu dans l'ancienne alliance. Mais le Père cherchait les vrais. Dieu cherchait les vrais adorateurs. Vous suivez très bien. Oh, les vrais, il faut adorer en esprit et en vérité. Parce que les vrais doivent adorer en esprit et en vérité. Il faut que la montagne soit là. Cassée. Il faut que à la montagne, les sceaux soient décelés. Dès maintenant, l'adoration est faite à la montagne. C'est alors que l'adoration va venir. Que Dieu bénisse. Amen. Alors, l'emplacement, il y a montagne ou à Sinaï. Maintenant, à l'emplacement de la montagne de Sinaï, Exode 19. Dans Exode chapitre 19, il y a Moana, Apocalypse 4. C'est ça, Apocalypse chapitre 4. Il y a des tonnerres. C'est là qu'il y avait des tonnerres. Des éclairs. Amen. Et des tremblements. Amen. Mais Dieu avait un programme. Oui. Comment on a que. Il ne faut pas seulement regarder simplement comme ça. Et tiens, déjà, il y a ce chakoufa qui a séqué. Cela a été posé quand Christ est mort et ressuscité. C'est ça la difficulté à battre. C'est ça la difficulté de plusieurs. C'est comme David. C'est comme David. Dans le psaume 137. Il dit dans le psaume 137. Il a pris son arbre. Sur les bords du fleuve de Babylone. Amen. Nous étions assis. Il était en train de jouer. Amen. Et nous plairions en nous souvenant de Sion. Amen. Azolobamon a temps passé. Il parlait cela au temps passé. Est-ce qu'avant yo, tokeneki Babylone? Tu diras David, mets-toi d'abord calmement. Est-ce qu'avant toi, nous étions déjà partis à Babylone? Wana David Azomona,
Là, David étant prophète, il voyait les choses qui viendront. L'olenge, bakokanga, Joachim. Bakanga Sédécias. La manière dont on attrapera Joachim et Sédécias. Barois. Qui sont les rois des Juda? On ira avec eux en captivité. Comment les peuples aussi partiront en captivité? Daniel, même les Daniel. À l'ère de Joachim. Tata à Joachim. Les pères de Joachim. Dans des rois chapitre 24. Et la manière dont ils passeront 70 ans. Mais lorsqu'ils sortiront de Babylone à l'ère d'Exodus. Et même les Zorobabel. L'esprit qui était en train de prophétiser sur David va s'accomplir à ce moment-là. Et David a zombé sur les bords des femmes de Babylone. Nous étions. Donc, Tofandaka, c'est le cas. C'est-à-dire que nous étions, c'est-à-dire les choses qui sont passées déjà. Or, les kakate. Or, ces choses-là n'étaient pas passées au temps de David. Amen. On suit Esaïe à se prophétiser. Tu prends Esaïe qui prophétisait. Dans Esaïe 53. Dans Esaïe chapitre 53. Alors, nous étions tous. Il disait que nous étions tous. Donc, Tozalaka. Nous étions dans les passés. Ma brebis errant. Comme des brebis errantes. Wana, Esaïe a commis-il le sacrifice à Jésus? Donc, Esaïe était déjà au sacrifice de Christ. Il est ressuscité. Acte des apôtres banni. Et maintenant, tu as déjà commencé. C'est maintenant l'ère des actes des apôtres. Nous étions des errants. Donc Dieu a fait retomber sur lui les châtiments qui nous donnent la vie. Donc Esaïe était arrivé au jour des actes des apôtres. Esaïe dans le chapitre 7. Deux rois étaient venus combattre Israël. Il a dit au roi d'Israël, à la guerre que tu veux mener, demande seulement pour montrer que Dieu te donnera la victoire. Le roi l'a dit, non, je ne tenterai pas. Tu vois, Esaïe maintenant dit au roi, à la guerre où tu pars, Dieu te donnera la victoire. Les signes que Dieu te donne, une vierge deviendra enceinte. Amen. Et enfantera un fils. Amen. Et en kobota et moana. Et elle donnera naissance à un fils. C'était le signe de la victoire du combat. Donc, roi wana na Esaïe na Esaïe 7, son qui voici na tounie. Okobundana baron mousso. Et le bonnet papier sur le serment en boc. C'est papier sur le mot serment en boc. Moi, si mon boy en gondo, oh, il y a une autre belle. Amen. Il faut tirer attention avec la prophétie. Amen. Mais si le roi dans toutes les tribus à cette heure-là, en tout cas, Esaïe, tu as frappé à côté. Où est la vierge qui sera enceinte ici? Mais à comment les gens allaient en mari? Mais Esaïe était déjà à l'ère de Marie. Amen. C'est pourquoi quand tu lis l'Apocalypse, toujours en Apocalypse, il y a des choses qui étaient. Il y a des choses qui étaient. Amen. Il y a des choses qui sont. Amen. Qui est. Amen. Et qui sera. Amen. C'est comme ça l'Apocalypse est placé. C'est comme ça que les choses sont classées en Apocalypse. Il y a moi qu'on remarque. C'est pourquoi tu remarqueras. En Apocalypse 4. En Apocalypse chapitre 4. Sokotangi, si tu fais bien la lecture. L'adoration est ça, wana. Cette adoration qui s'est créé les cieux et la terre. On ne faisait que louer du fait qu'il était le créateur des cieux et la terre. Il y a mon louange, et Salemana Tanyon. Yaba prophète Nios. C'est ça la louange qui s'est passée tout le temps de tous les prophètes. Et comme le livre était fermé. Amen. Il faut y baquer le fait que la montagne est fermée. Il faut que tu saches comme la montagne fut fermée. Donc comme les trônes aussi. Comme étant aussi les trônes. Parce que le livre n'a qu'à la supériorité. Parce que dans les livres, il y a la supériorité. La
Est-ce que nous nous suivons très bien? Pour que tu comprennes cela bien. Le pouvoir que Dieu avait donné à Abraham. Qu'il avait donné à la postérité d'Abraham. Que lorsqu'ils désobéiront, Dieu prend ce pouvoir-là, il le ferme. Mais ils ont écriture dedans et dehors. Mais ce livre-là est écrit en dedans et en dehors. Donc ma promesse aux hommes à Abraham. Donc toutes les promesses que Dieu avait données à Abraham. Parce que vie Abraham est une expression d'Adam. La vie d'Abraham c'est aussi notre expression d'Adam. Abraham à 75 ans. Dieu avait appelé Abraham à 75 ans. Aye kosala naye. Signe d'alliance dans 99 ans. Il est venu faire avec Abraham un signe d'alliance. La circoncision. Des circoncisions à 99 ans. Donc, avec qui est en Genèse 12. Il a appelé dans Genèse chapitre 12. Maintenant, dans Genèse 17, il a appelé signe la circoncision. Dans Genèse chapitre 17, il lui donne le signe de la circoncision. Si tu lis le verset premier à Genèse 17, il a dit 99 ans. Si tu lis le verset premier de Genèse 17, attends, Abraham plutôt avait 99 ans. Et ça, Pambaté, ça n'a 24. C'est pas depuis Genèse 12 jusqu'au Genèse 17, il y a les chiffres 24. Donc, de 75 à 99, c'est 24. Donc, de 75 à 99, il y a les chiffres 24. Moutazo expliquer espace où on est à Paul. C'est lui qui explique cet espace, c'est Paul. Ah, dans Romains 4. Dans Romains chapitre 4. Temps et espace où on est. Le temps d'espace là. Comme dans Genèse 12, dit Genèse 17. À partir de Genèse 12 jusqu'au Genèse 10. Abraham a été circoncis. Et puis Abraham fit circoncis. Mais il a reçu une promesse. Mais il a reçu avant la promesse. Mais il a expliqué pourquoi il a été circoncis. Il est en train d'expliquer pourquoi cela a été. Parce que le chiffre 24 est là. Parce qu'il y a un chiffre 24. Au monité que la tienne 2 plus 4 égale à 6. Tu vois pas que je n'ai pas mis 2 plus 4 égale 6. 6 veut dire chiffre de l'homme. C'est-à-dire 6 chiffres de l'homme. Je n'ai pas fait comme ça. Parce que la Bible ne me permet pas ça. Mais moi, j'ai 75, ils en ont 24. À partir de 75 jusqu'à 99, il y a un chiffre 24. Donc, chiffre 12, deux fois, ils ont. C'est-à-dire le chiffre 12 répété deux fois. Remarquez, Awa. Remarque ici. À partir du verset premier, il y a Romains 4. À partir du verset premier de Romains chapitre 4. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Biso tokolobaka siboni. Et Abraham tatana biso oyota azwa kolantamana nzoto. Si Abraham a été justifié par les œuvres, ce qui Abraham a symbolé ma qui n'a pas misa, il a singé de se glorifier. Yeah, mais non devant Dieu. Car qu'est-ce que dit l'Écriture? Abraham crie à Dieu. Abraham a dit, et cela lui fit imputer à justice. Mais or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose dite. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Et même David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Et dont les péchés sont couverts. Et l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Mais nous avons aussi pardon à péché. Tu vois, quand tu prends le pardon du péché, les apôtres appelaient que tu as reçu le bonheur. C'est quand tu prends le verset 9 de Romains 4. Il y a Romains 4. C'est bonheur. Bon, voilà. Bon, mengo, solo, solo, pour un apôtre. Et ça, là, qui m'a justifié.
Le véritable bonheur pour les apôtres, c'est lorsque la personne est justifiée. Avant de continuer, on attend un acte 3. Avant de continuer là-bas, j'ai lu d'abord acte chapitre 3. Pour connaître quelle est l'œuvre que Christ est venu accomplir. Verset 26. Au verset 26. Acte 3, verset 26. Acte 3, verset 26. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité ce serviteur, donc Jésus-Christ, l'ayant envoyé pour vous bénir. Maintenant, Pierre a expliqué bénédiction. C'est Pierre qui explique maintenant la bénédiction. Virgile. Virgile. C'est là venir à son côté pour expliquer bénédiction. Il commence maintenant à continuer à expliquer la bénédiction. En détournant chacun de vous de ses iniquités. Voyez comment on appelle la bénédiction. Donc ceux qui allongent les parce que nous avons ça. Mais vous pouvez voir quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais c'est un maudit. Parce que la malédiction est à quiconque n'observe pas la loi de Dieu. Parce que la malédiction était quand quelqu'un n'observe pas la loi de Dieu. Il est maudit. Cette personne est maudite. Nous avons 50 avions. Quelqu'un peut avoir même 50 avions. Un président va nous louer l'avion. Le président loue ses avions maudits. Mais un maudit devant Dieu. Est-ce que vous suivez très bien? Bénédiction d'abord l'écriture des amis en détournant chacun de vous de ses iniquités. La Bible définit que la bénédiction, c'est lorsqu'on détourne chacun de nous de ses iniquités. C'est comme ça Pierre a dit. C'est comme ça que Dieu a prêché. Paul va dire même. Même Paul a prêché de la même manière. Bonheur aux âmes à notre sœur, frère. C'est bonheur pour ne pas les manquer, sœur, frère. Aux enfants là. Tu es assis là, il y a des problèmes qui troublent ton cœur. Parfois ils sont. Parfois c'est des péchés. Tu conserves ça gentiment et tu ne veux pas te répandre. Il y a des problèmes. En vrai, c'est péché là, l'union, c'est ça ton bonheur. Or quand tu te répands. Or quand tu te répands. Donc on dit la bonheur. Alors que tu rentres dans les bonheurs. Abnomia le verset 9. Au verset 9, il y a Romains 4. C'est bonheur n'est-il que pour les circoncis? Bon, mais quoi en gros? Et ça dit qu'à Capona, bah, il m'a quitté ma gueule, donc pas juif. C'est-à-dire les juifs? Où est-il également pour les circoncis? Ce qui était les alipés pour la dissouder. Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. À partir du verset 10 à 12, il explique l'espace d'Abraham qui parle de 24. Et Dieu bénisse. Ah. Comment donc lui fit-elle l'impité? Chiffre 24. Alors, ça qui est un résulté.
il dit qu'il n'était pas circoncis, c'est-à-dire. Et il reçut le signe de la circoncision. Comme son de la justice. Dans le temps où il est arrivé à 9 ans, c'est alors qu'il a comme saut, si de la justice, comme le saut qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis. Pourquoi cela était ainsi? Afin d'être le père de tous les des incirconcis qui croient. Nous là qui croyons. Pour que la justice leur fût aussi imputée. Et le père des incirconcis. Père tata na bi na bakate mingenga. Ah, c'est que chiffre 24. Et ça a père des incirconcis, la père circoncis. Amen. Donc le chiffre 24 parle de, du père des incirconcis et des circoncis. C'est Paul qui a joué. C'est Paul qui définit cela. C'est pourquoi je n'ai pas pris 24 2 plus 4. Mais j'ai plutôt cherché la définition de cela dans la Bible. La Bible dit que quand Dieu l'avait appelé, comme il avait obéi, premièrement, Dieu l'a appelé comme quelqu'un qui a vaincu le péché signe. Mais il l'a laissé d'abord sans être circoncis. C'est pourquoi dit pourquoi Dieu l'avait laissé ainsi. Il a marché comme ça depuis 75 ans jusqu'à 99 ans. Dans Genèse chapitre 17, 1. Dieu a vu que le chiffre 27 s'est accompli. Et maintenant il est venu introduire la circoncision. Paul a dit. Paul dit. Le fait que Dieu l'avait justifié. Il a marché avec cela pendant 20 ans. C'est maintenant que la circoncision pour la justice a présenté 24 ans. C'est maintenant que Dieu lui met le sceau de la circoncision pour parler de 24 ans. De 24 ans là. Et Zalaï Botanissa, pour Azala Tata, la puissance. C'était pour montrer qu'il est devenu notre père. Dans le chiffre 12. C'était le chiffre 12. Mais Tata Israël. Ou aussi le père d'Israël. Chiffre 12, les choses. Toujours le chiffre 12. Amen. Amen. Est-ce que nous suivons très bien? Oh, tant que nous avons tant qu'on a Israël. Maintenant, quand Dieu marche avec Israël, Israël était quelqu'un de la maison. Amen. La Bible le dit l'Éphésiens. La Bible dit l'Éphésiens chapitre 2. Nous étions étrangers. Nous étions étrangers, nous les nations. Donc ça va dire loin. C'est-à-dire que nous étions loin. Mais c'est-à-dire que Dieu nous avait mis déjà dans le chiffre 24. En ce temps-là, tous les peuples des nations se trouvaient dans la fausse adoration. Mais Dieu savait un programme pour ceux-là qui étaient au dehors. C'est-à-dire nous les nations. J'ai encore d'autres brebis qui sont en dehors de la bergerie. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 10 que j'ai encore d'autres brebis qui sont en dehors de cette bergerie. Bah, oh, ceux qui étaient au dehors, c'est même c'est ça. Mais nous avons aussi le promesse. La carte d'Abraham. C'est ça l'écriture d'abord. Amen. 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 Mais il y a l'écriture du dedans. Il y a aussi l'écriture du dedans. C'est pas Oyo Basa et la maison. Ce sont ceux-là qui sont de la maison. Mais quand nous passons, ils ont pourquoi? Il faut que les choses s'ouvrent. Israël a commis du dehors. Israël est devenu du dehors. Amen. Parce qu'ils sont comme un champ de la maison de Dieu. C'est alors que nous, les nations, devenons les gens de la maison de Dieu. Les concitoyens des saints. Amen. Ils sont des lots.
La fin pour clôturer, sinon il y a beaucoup de choses à parler, s'il vous plaît. Jérémie 12, Jérémie chapitre 12, verset 9. Verset 9. Nabani même dans verset 7. Je commence même à partir du verset 7. J'ai abandonné ma maison. Natika Ndabonaga. J'ai délaissé mon héritage. Natika Ndiboula Nangai. J'ai livré l'objet de mon amour. Nagaba Eloko Naboyo Nangai. Au mains de ses ennemis. Namaboko Yabanguna Nangai. Voilà maintenant verset 7 et Jérémie 12. Là, je suis au verset 7 de Jérémie 12. Donc, il y a été dans verset 9. On ira jusqu'au verset 9. Mon héritage a été pour moi comme un lion dans la forêt. Il a poussé contre moi ses rugissements. C'est pourquoi je l'ai pris en haine. Mon héritage a été pour moi un roseau de proie. Une hyène. Aussi, les oiseaux de proie viendront de tous côtés contre lui. Voilà. C'est ça, Genèse chapitre 15. Les oiseaux de proie qui étaient venus là sont des nations. Des puissantes nations. Sont des puissantes nations. Israël, t'as la voix de la parole. Quand il s'est dirigé de la parole, il te dit comme eux. Amen. Et ça, quand tu parole, vous c'est comme toi quand tu détiens la parole, tu es semblable. Mais quand tu rejettes la parole, tu es semblable au païen. C'est ce qu'il dit ici. C'est ce qu'il dit. En étant dans Israël, il dit quand seulement Israël, tu vas rejeter la parole. Comme il rejette la parole, j'abandonne ma maison. J'abandonne ma maison. Il y a un chanel, il est venu chez les mais à tous ceux qui l'ont reçu. C'est pourquoi j'ai dit qu'elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Quand les seaux ils sont pour maman, lorsqu'il y a l'ouverture des seaux, l'adoration aux enfants, on va dire qu'il faut maintenant se prosterner. L'adoration dont Dieu avait parlé, qu'il fallait les gens se prosterner. Après que le sang est coulé, après l'écoulement du sang, ils sont des personnes qui sont à la maison de Dieu. Ah. Israël s'identifie maintenant comme l'oiseau des proies. Ça ne fait pas côté de l'oiseau des proies pour moi pour détruire. Et Dieu l'enverra aussi des oiseaux des proies afin de détruire Israël. C'est dans Jérémie 12, verset 9. C'est dans Jérémie chapitre 12, verset 9. Nous sommes dans la maman. Amen. Donc, pour ces basés là, nous avons assis montagne et ça trône. Nous sommes justement basés sur le fait que la montagne, c'est aussi le trône. Et montagne, les autres appellent ça royauté. Priorité. La montagne parle aussi de la royauté et de la supériorité. Il y a un monde qui fait Adam. C'est de la manière dont Dieu l'avait donné aussi à Adam. Il a le pouvoir au-dessus de tout. Il avait le pouvoir au-dessus de tout. C'est ça, c'est ça, la supériorité. Amen. A présenté au Père que les fleuves sortaient de terre et ça vont compte dans le jardin. Je t'ai présenté que les fleuves qui sortaient de terre rentraient dans le jardin. Ça va être ça trop mal. C'est là parler du trou qui est mais Dieu a calé le chemin à venir. Et Dieu a déterminé le chemin de là. C'est là qu'il dit à emprisonner, à tanguer, à sceller, pouvoir. C'est-à-dire Dieu avait fermé, scellé tous les pouvoirs. Maintenant, il faut répéter pour de plusieurs manières. Il fallait que Dieu répète cela aussi dans plusieurs autres. Il a maintenant fait voir dans un montagne difficile. Mais il a scellé. Vous voyez maintenant? Est-ce que nous vivons très bien? Voilà, ça, ça trône, ça n'a pas éclair, tremblement et des tonnerres. Cela montre les trônes qui a plutôt des éclairs, des tremblements ainsi que des tonnerres. A scellé. Et donc Dieu l'a fait scellé. La même montagne a eu un angle. Exode 24. Cette même montagne, Dieu l'amène dans Exode chapitre 24. Dieu dit à Moïse que nous avons va prendre vite. Prends aussi Nadab, Abihu. Prends aussi les fils d'Aaron, Nadab et Abihu. Va monter. Qu'il monte ici. Moïse t'a envoyé à l'aller.
Moïse est venu, il s'est rendormi pour lui. C'est tout un message. C'est tout un message. Allah, il s'est reposé pour lui. Il n'a pas porté. Il n'était pas partagé. C'est maintenant le matin. Il a immolé l'animal. Les sangs coulaient. Et il y avait les coulements du sang. Quand tu as fait le signe, c'est alors la parole qui lui vient de dire. C'était comme un autre jour. C'était le jour dans quel sens. Et l'alliance, c'est à monter là-bas pour adoration. C'est alors qu'il est monté avec eux pour adoration. Et le Mélaka Christ. C'est la parole du temps de Christ. Amen. Dieu bénisse. Amen. Là, le Satan est coulé. Et là, quand le sang coule, les sons, ils arrivent dans la montagne. Les sons qui les tenaient dans la montagne, ils ont décédé. Amen. Parce que les sacrifices, ils sont prêts. Tout simplement qu'il y avait les hommes qui avaient voulu le Moïse, ça avait une prudence. Moïse avait usé des prudences. Même si Dieu l'avait ordonné de monter avec les autres là, Moïse n'était pas monté vite plus avec eux. Il était parti pour lui s'endormir. Et ce nous suivons très bien. Il montrait tout un temps. Est-ce que nous nous suivons très bien? Ça m'a que je vous ferai rendre les sacrificateurs. Dieu leur avait dit que je ferai de vous le roi des sacrifices. Mais ils ont compris ça en un autre jour. C'est Amen. Cela est accompli dans un autre jour. Je sens de l'alliance et son pain. Quand on descend de l'alliance, la montagne est décédée. Et cette montagne finit décédée. Et les anciens ont adoré. Amen. Les anciens sont du fier. Amen. Il y a beaucoup de monde pour aller saint. Amen. Tant qu'on présente l'agneau connu. Amen. Il y a des bonnes choses vraiment. Les 24 milliards ont adoré les gens. Il va présenter les saints. Amen. Quand on a présenté l'agneau comme immolé, ils ont adoré. D'abord, on a dit qu'ils ont adoré. Amen. Aujourd'hui, Apocalypse 4, ils ont même avant Jésus. C'est même avant que Christ ne vienne. Là, tu verras quelqu'un qui s'amuse avec les choses de Dieu. Nous ne refusons pas les contradicteurs. Même à Kisangani. Même à Kisangani. Avec ce pasteur en Branagiste et à Ville-Mobimba. Je vais appeler tous les pasteurs des Branagistes entiers. Bayaki va exposer les sceaux. Ils devaient venir. Ils sont pétolo. Ils étaient venus pour exposer sur les sceaux et nous avions parlé aussi. C'est bien autour d'un bateau Bazanaki. C'est bien que tu poses la question, Jacques qui était là, moi je ne parlerai pas. Même à Kinshasa, en 2000, nous avons une conférence à Bango. Même à Kinshasa, donc en 2000, nous avions fait une conférence avec eux. Au zoo. C'est une grande salle qui se trouve au centre-ville. Voilà, nous avons fait un conseil. Et là, on me conseillait. Quand nous étions à Bakwandungu à la veille de cela, ils m'ont dit en tout cas, frère, il y aura des personnages. Hein? Pourquoi toi tu ne veux pas parler en français? Ministre, hein? Il y aura des ministres. Il y a des dires là. Et qui me disait? Mais amis, le prédicateur me connaît pas. Il me conseillait que comme il y aura des grands personnages, que je prêche en français. Je leur ai dit que ce ministre-là, chez lui à la maison, il parle de quel langue? Avec son grand-père. Mais il faut maintenant poser la question aux jeunes qui étaient là. Parce que la langue de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Ah. Ce ne sont pas toutes les langues du monde là, non. Donc, on était en anglais, en swahili, tout
pas ça bien. Nous n'interdisons à personne de prêcher en anglais, en Suédois, on sait bien. Mais ça a été par influence. Non, il ne faut pas prêcher par influence. On a une français comme nous. En français avec l'éloquence, là, c'est pour la puissance de la langue. Qui t'a dit que l'option de l'aider le français? Parle des choses qui sont justes et posées. Qui sont bien témoignées dans les Saintes Écritures. Donc c'est quelque chose à part. Pourquoi la contradiction? Nous ne refusons jamais des contradictions. Parce que a contesta grâce à Aaron. Parce qu'on avait contesté la grâce d'Aaron. Aaron t'avait la volonté. Aaron n'était pas élevé contre eux. Dieu a dit que je vais vous éprouver. Prenez-vous tous des verges. Des verges et nous allons voir. Amen. C'était pas dit que comme maman était devenue ministre, alors ils disent que vous êtes petit. Donc, promettre aux gens qui s'étaient opposés à lui. Non, non. La contestation est biblique. Amen. Mais Dieu a prouvé ton Dieu dans ta vivant. Et Dieu prouvera qu'il est ton Dieu vivant. Et ça va prouver qu'il a ton boni vers Jésus-Christ au milieu. Et Dieu avait manifesté que le verset qui est au milieu d'avant était véritablement. C'est ça. C'était ça. Mais donc quand on prêche la parole. De la même manière quand on prêche la parole. Soit ça quelque chose à contraire, il faut poser une question. Si tu as une chose contre ça, c'est que nous disons, tu peux poser ta question. Nous regardons et puis nous en passons. Si tu n'es plus encore d'accord, tu diras encore Jésus-Christ d'accord. Parce que les Écritures étaient celui pour enseigner. Parce que les Écritures sont données pour enseigner. Pour convaincre. Amen. Ils sont au témoignage. L'écriture sainte. Nous témoignons la chose qui se trouve dans les écritures saintes. Oui, ça conforme. Qui est conforme. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que la grâce du Seigneur les en avant pour nous. Amen. J'appelle à toi, Fatine, et que le Seigneur vous garde par sa grâce. Pour s'appeler le cœur, pour recommander l'ordre bien dans la main du Seigneur. Nous allons prier un peu pour recommander nos vies sous la grâce de Dieu. Il faut le maintenir que la supériorité aux âmes et aux bismas. Il faut que tu dises, Dieu donne-moi la supériorité dont tu veux parler. L'autorité, que je vive cette autorité. Comme tu avais dit que nous marcherons sur les serpents et les scorpions. Et qu'on nous épisode. Cela ne nous nuira. Nous chasserons le démon au nom de Jésus-Christ. Que nous chasserons le démon au nom de Jésus-Christ. Nous ressusciterons les morts au nom de Jésus-Christ. Nous ressusciterons même les morts au nom de Christ. Donc vous purifiez par les plaies au nom de Jésus-Christ. Nous purifierons les plaies au nom de Jésus-Christ. Donc on va dans une montagne. Ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et tu vois la montagne de sauter de là et de se jeter dans la mer. Donc aux hommes, si tu crois dans ton cœur, montagne, on a fait le quoi? Tu as la foi qui dit si tu as un problème qui domine ta vie en te dérangeant. Dieu est plus grand que ce problème. Amen. C'est pourquoi elle a dit tu pourras dominer, dompter cette montagne et dominer cette montagne. Et quand tu pries, il faut croire. Amen. Vivre cette autorité au-dedans de moi. La puissance de vaincre les péchés. Cette puissance qui consiste à vaincre les péchés. De vivre la supériorité. De vivre la suprématie. Nicolas, ma promesse. Au-dessus des petits problèmes. Et quand il s'en a 15 ans, ton précis d'un héritage. Que cela se prouve que Dieu, tu m'as donné ton héritage. Ton sang est mis en bénin. On prie au nom de Jésus. On salue l'eau, on va donner les amis de Dieu dans nos lois. On salue mon pâté, la souris, la ouéna, qui est dans ma puissance. Mon côté, à mon canine, à l'eau, ça. Yo, t'es mon si connu, mon aile, les amis de mon nom. Yo, t'es mon nom, qui mon aile, les amis de qui. Non, pour qu'on ait les amis, non, pour qu'on a bien. Bouillant à yonder et à monter ça à caminer. Puissant vainqueur Jésus. Les dieux les grâces. Mon le chien, mon appui. Les dieux de toute éternité. Mon appui puissant. Vous allez.
Zalini Sikola Solo Zambo ya Pomo Ozali Elon Ramonene Zambé la Pia du Mouroir. Oh Dieu, que la supériorité à mon âme. En tout, Awena Pino, tu m'as adopté par ton Saint-Esprit. N'a dit que la cette grâce. N'a parlé Awena Pino comme le Fils de la maison. N'a témoigné ta grandeur dans ma vie. Les péchés dans la terre, la supériorité du colonel. N'a dominé en moi. Au Seigneur, parce que nous fumons la soie. Il y a des amis, des amis, des autorité perdue. Aux amis, des amis, supériorité, suprématie. On a des amis, 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 Dans les noms
nom de Jésus-Christ. Amen. Au sang de l'Égoïe. Amen. 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 Amen.